Yakuba là. Oui, 5-5. Prépare tes affaires quand même, hein, Patrick, parce que au fond du boulevard, toi tu n'entends peut-être pas, mais ça tire sec, c'est pas des petites rafales, hein. Ça dure pendant longtemps, hein. Ça tire de mon côté aussi. Kinshasa, un matin de septembre 1991. Je suis soudain réveillé par des coups de feu, les militaires sont dans la rue. Rapidement, je décide d'aller voir de plus près ce qui se passe et j'emporte ma caméra vidéo amateur. La révolte a éclaté au milieu de la nuit quand les militaires sont sortis de leur caserne pour protester contre les retards de paiement de leurs maigres soldes. Les soldats se lancent dans des pillages, forment des barrages, réquisitionnent des véhicules. Provoquées par la faim, les émeutes ne font que commencer. Elles vont durer plus de 2 ans. Dans les heures qui suivent, je rejoins dans leur maison Aubert et José, un couple zaïro-belge dont j'ai fait la connaissance voici 2 semaines. Oh, regarde les garçons, ils reviennent avec des objets. Vous les voyez sur la route. Ils sont passés avec toute une cuisse de vaches. Le militaire avec son paquet. Avec son paquet, il vient pour essayer d'intercepter les paquets des autres. Et maintenant, il est déjà là, l'empêche. Poussée par la misère, la population civile s'est jointe aux militaires. Les troubles ébranlent tout le Zaïre, ce grand pays d'Afrique centrale qui s'est longtemps appelé Congo belge. Et puis en 1960, lors de la décolonisation, tout simplement Congo. Aujourd'hui, le Zaïre a connu 35 années d'indépendance jalonnées d'événements sanglants. Et depuis 30 ans, une dictature s'y confond avec son chef, Mobutu Sese Seko Wazabanga, maréchal président. Dans le centre-ville, les gendarmes chargés de la protection de l'ambassade de Belgique prennent de plus en plus de risques afin de protéger des Européens en difficulté. Sans le savoir, emporté par les événements, je commence un documentaire sur la vie des Blancs installés au Zaïre, un film qui va m'emmener au fin fond du pays. La dernière fois, ils étaient une trentaine et ils étaient décidés à nous tuer. On leur a dit qu'on avait déjà donné tout l'argent, mais ils ne nous croyaient pas. Et ils ont forcé la maison, ils ont tout pillé, ils ont tout saccagé. C'était terrible. Après, ils ont repris. Après, ils ont voulu le tuer, moi. Mais moi. Parce que moi, j'ai riposté. Moi, je me suis défendu, puis après, c'était tellement les types qui ont dit « Prends tes affaires, prends ta femme, pars, ils vont te tuer. » On est parti, parce que moi, j'ai tiré en l'air, j'ai tiré en l'air, mais ça sert à rien. 1000 personnes, ça va, mais quand il y en a 10 000, 15 000 qui rentrent dans votre parcelle... Ils ont tout pillé devant vous. Bon, on était en dessous de la paillasse. Et on est resté calme, on a dit, le plus important c'est notre vie, alors on est sauvés. Il ne faut pas réagir, c'est la seule chose qu'il faut faire, il ne faut pas réagir. Hein? Devant l'ambassade de France, c'est la panique. Quelques expatriés arrivent là par on ne sait quel miracle. Moi, je suis barricadé dans ta maison, je reçois une balle là, on me tire dessus. Ils sont rentrés dans la maison ou quoi?
Laissez-les casser, laissez-les casser surtout. Ne résistez pas. Ne résistez pas, laissez-les casser, ils ne vous feront rien. Dès leur arrivée, les militaires français se donnent pour objectif de contrôler une partie de la ville. Cela ne se passera pas sans mal. La cible, tu ne tires pas ! Lors d'un échange de coups de feu, des militaires français opèrent un tir croisé. Une balle ricoche, l'un d'eux est touché, il meurt quasi sur le coup. Le soir, j'accompagne un expatrié dont on vient de piller la maison. Guy Verstraat est belge. Il vit au Zaïre depuis 10 ans. Il est le photographe officiel du président Mobutu. Combien de pillages ici ? 3. C'est 3 ans. Sûr ? 15 jours. Depuis le 23. Donc maintenant, il y a plus rien. Bien, ouais. Et cette fois-ci, c'était qui ? Des militaires. C'est tout, hein. Et heureusement qu'on est encore venu. Guy Verstraat n'a aucun doute. Pour lui, les voisins et son ancien boy sont complices des militaires. Et vous êtes ? Allez ! Avance ! Les militaires, les boys, les voisins. Ici comme ailleurs, les pillages ravivent ces dizaines d'années d'inégalité, de mépris et d'incompréhension entre communautés blanches et noires. Parce que moi je vais rester. Et toi, hein? Et José, je vous aurai. Eh bien, hein? Demandez à José, patron. Demandez à José, patron. Là-bas, ce sont les voleurs qui demandez à José. Tu as volé 15 jours avant. Moi, je vais prosterner devant vous comme ça. Oui, pardon, pas moi, hein? Moi, je vais pas prosterner. Je ne suis pas mon boutou. Moi, je ne suis pas mon boutou. Vous savez, j'ai suivi la volée jusque-là, et vous n'avez jamais mené les personnes là, patron. Vous êtes mon patron. Devant les ambassades, c'est l'afflux d'expatriés. Un premier convoi s'organise. Il s'agit de gagner le port fluvial de Kinshasa. Vous avancez là ?
L'histoire se répète. Comme en 1960, en 74, en 78, ces hommes, ces femmes et ces enfants repartent vers leur pays d'origine. Une fois de plus, ils quittent cette terre africaine où ils restent des étrangers. Il y a plus de 30 ans, les Belges, anciens colonisateurs, étaient ici au nombre de 110 000. Il en reste un peu moins de 3 000. La moitié d'entre eux sont des missionnaires. Pour beaucoup d'expatriés, ces départs signifient chute des bénéfices, pertes financières et fermeture d'entreprises. Pour de nombreux Aïrois, ils sont synonymes de chômage et de misère. Georges Mounen est l'un de ceux qui ont décidé de rester au Zaïre. Il occupe sa maison avec son boy et ses deux chiens. Georges est belge, il a trois enfants, pilote d'aviation. Il travaille au Zaïre depuis 22 ans. Tous les gens venaient piller les maisons. Alors moi, je suis sorti, donc ici, à la porte, avec mon fusil ici, mon automatique. Je suis sorti. Et c'est de là, dont les gens descendaient en foule, que nous avons commencé à tirer. Et par toute chance, nous avons pu parvenir à maintenir la foule grâce au fusil automatique que voici. Et ma femme tirait à l'intérieur avec un GP. J'ai Pedro aussi, ici avec moi, hein, qui nous donne un coup de main, qui me donne un coup de main pour la surveillance. La femme et les enfants. Les femmes et les enfants sont pour le moment en Europe, et par sécurité. Toujours le même problème, là, par sécurité. Vous êtes nombreux à être en contact l'un avec l'autre ? Oui, nous sommes assez nombreux. Nous avons une très bonne organisation de défense. Et les autres ? Vigoureuse. Et armée. Et armée. Et votre boy, il est habitué à utiliser des armes ? C'est un ancien militaire. Vous entendez bien avec lui ? Moi, je m'entends bien avec lui, je ne sais pas s'il s'entend bien avec moi. Vous bien, entendez bien avec moi ? Très, très bien. Bon, alors voilà. C'est un frère à moi. Ce n'est pas comme patron, mais je le considère comme ma famille. Stade radio, il me reçoit-tu ? Plusieurs fois par semaine, Georges peut parler à sa femme grâce à un système de radio amateur, car au Zaïre, le téléphone ne fonctionne quasiment plus. Bon, mais j'espère que tout va bien, que tu penses à moi. Hein? Moi, je pense beaucoup à toi. Ben, je n'ai pas encore pleuré assez que pour utiliser tous les mouchoirs. Hein? Je ne sais pas pourquoi tu m'envoies des chaussettes et des mouchoirs. Non, on voit pas des mouchoirs. Après les mouchoirs, j'ai les draps de lit. Alors, tu peux t'arrêter. Bon, passe-moi Dominique. Moi aussi. Ben, moi, je rêve aussi de toi, hein? Tous les jours. Je pense toujours que tu vas revenir, mais je vois que tu reviendras fin d'année, quand tu auras bien étudié. Et d'ailleurs, j'ai ta photo ici au-dessus de moi avec la petite fille d'Alain. Donc tu vois que tu es juste au-dessus de moi ici. Je te regarde tous les jours. Je pense beaucoup, beaucoup à vous. À toi.
revoir, chérie. Quelque temps plus tard, Georges se tue dans un accident d'avion. Il transportait l'administrateur général de la principale banque du Zaïre. Selon la rumeur, il s'agit d'un sabotage, mais rien n'est prouvé. Georges laisse en Belgique une femme et trois enfants. Dans les jardins de sa résidence, le premier ministre zaïrois, M. Bernardin Moungouldiaka, organise une réception pour ceux qui ont choisi de rester au Zaïre. Mais qui sont-ils et pourquoi restent-ils ? Surtout que vous êtes encore là, ça sert à rien. Je reste toujours. Merci. Mesdames, messieurs, ce n'est pas pour le discours que je vous ai invité ici. Parce qu'à travers nos difficultés, vous avez fait confiance à ce pays, à votre pays, le Zaïre. Il n'y a pas que des Zaïrois de naissance. Il y a même des Zaïrois de naissance qui sont blancs, peau blanche, mais des Zaïrois de naissance. Je voudrais qu'en vous regardant, ils se retrouvent en vous et vous vous retrouverez en eux. Quand vous alliez partout, les difficultés, ça existe. Des moments durs, ça existe. Après la chute du mur de Berlin, il y a eu des têtes qui sont tombées. Vous allez maintenant à Yougoslavie, les têtes tombent. Vous allez partout, partout, le sang coule. C'est donc à travers vous qui êtes resté avec moi, transmettez le message que le Zaïre, bon Dieu, ne fait pas exception à ce qu'est le monde actuellement. Vous voulez poser une question ? Oui. Je crois que nous attendons tous de votre part des actes concrets et positifs pour nous aider afin de reconstruire ce pays. Merci. Et moi, comme doyen des médecins, je vous remercie beaucoup, n'est-ce pas, de nous avoir accueillis ici. Et nous nous promettons de toujours que vous serviez comme avant. Merci. 44 ans que je fais, malgré tout, je continue. D'accord. Je vous encourage. On va défendre nos biens et notre peau très chers, avec tous les moyens qu'on a. Faites confiance à l'Union européenne. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec des vrais ou des faux militaires qui viennent vous attaquer avec des mitrailleurs, fusils? Il faut vous laisser payer. Ils pillent tout, jusqu'aux portes et fenêtres, il ne reste plus rien dans la maison. Mettez aussi du vôtre. Je pense qu'à partir du moment où chacun met du sien, et lutte surtout contre la désinformation. Parce que ça, la désinformation, qui est la grande intoxication, qui fait que tout le monde a peur et ne sait plus sur quoi se passer. Le premier qui met un pied dans ma parcelle, il est carbonisé. Je vous le jure. Ce que nous voulons, c'est le respect des règlements. J'espère que je ne dois jamais employer des moyens pareils. Après Kinshasa, je pars seul pour Kisangani avec ma caméra vidéo amateur. Dans la province du Haut-Zaïre, au cœur de la forêt équatoriale, je vais rencontrer d'autres expatriés, des colons et des missionnaires restés dans ce pays malgré les événements. À Kisangani, je rencontre Jean-Marie Bergesio. Il possède un garage, il gère également une scierie en association avec un autre expatrié, Antoine de Clercq. Italien d'origine, Jean-Marie a 7 enfants de 3 femmes zaïroises. 4 d'entre eux vivent à l'étranger. L'un fait les hautes études commerciales à Bruxelles, un autre est baryton à l'Opéra de Milan. Quelle est l'importance du garage ? En principe, c'était le plus grand du Haut-Zaïre et qui vous compris. C'est le seul qui fait rectification de vilebrequins, lésage moteur, pompe injection, révision pompe injection. C'était le plus important. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, il est à zéro. Pourquoi ? Bah, on a pillé le tout, comme on dit ici, volé. Hein. Moi, j'appelle ça volé, mais ils ont pillé, comme ils disent eux, tout ce qu'il y avait. Il y a des dégâts qui dépassent le million de dollars. Tout ce que tu vois ici, ça a été récupéré. Récupéré les premiers jours de pillage, avec des menaces continuelles de la part des militaires.
Ils voulaient, ils ont dit même qu'ils allaient nous tuer. Mais ça n'a pas marché. Vous avez récupéré beaucoup ? Bon, pas grand-chose, disons, mais c'est seulement pour témoigner qu'ils ne peuvent pas prendre les choses des autres sans qu'il y ait une rétorsion. C'est ça que j'ai voulu leur prouver. Et c'est ne pas avoir peur surtout de ce qui peut arriver. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui a peur de récupérer ses affaires, ils voient ses affaires et ils les laissent, ce que je ne trouve pas normal. Ils aiment détruire parce que peut-être ils n'ont rien. C'est ça, ils ont tout à gagner et rien à perdre. C'est tout. Mais vous, vous avez tout à perdre. Nous, on a tout à perdre. Parce que quand c'est comme ça, c'est risquant. Hein. Voilà, cette machine était en révision. Ils sont partis avec le piston pour faire des casseroles avec. Tout ce qui est aluminium a été volé. Tout ce qui est aluminium pour faire des casseroles. C'est normal. Bon, ils trouvent que c'est normal. Cette machine ici, elle pèse 130 kilos. Elle a été transportée par un homme seul, sur son dos. Nous l'avons retrouvée au bout de 4-5 jours après le pillage. Cet homme, actuellement, est mort. L'effort qu'il a fait à transporter cette machine l'a tué. C'était un sergent-chef qui nous a menacé avec le phal de venir nous tuer tout de suite si on récupérait cette machine. Voilà l'esprit dans lequel on travaille actuellement. Ce n'est pas un esprit sain, je pense que c'est quelque chose de construit, quelque chose qu'on a voulu. Parce que quand on est arrivé au Congo, ici, ce n'était pas comme ça. Ce n'était pas la même chose que maintenant. C'était le Congo? Ah, c'était différent. Voilà. À l'époque coloniale, Kisangani s'appelait toujours Stanleyville et avait une solide réputation. Les planteurs de cacao et de café venaient s'y approvisionner, le champagne coulait à flot et l'on y dansait jusqu'aux petites heures de la nuit dans les hôtels et les bars. En ces temps déjà lointains, 6000 Européens vivaient ici. Ils ont vécu les années houleuses et violentes qui ont suivi l'indépendance, les rébellions qui ont ensanglanté la ville. En 1964, la population blanche est prise en otage par les insurgés congolais et des dizaines d'Européens sont massacrés. Aujourd'hui, Kisangani est une ville entrée dans l'oubli. Il y reste moins d'une vingtaine de blancs, plus quelques missionnaires. Parmi ceux-ci, M. Jacques. Il n'est pas vraiment expatrié car il est né ici. Son père, Jacques Auguste, fut un officier de Stanley au début de la colonisation. Après des études à Bruxelles, M. Jacques a travaillé au Congo belge comme agent sanitaire. En brousse, il a combattu pendant des années la maladie du sommeil. Aujourd'hui, M. Jacques se souvient avec nostalgie des années qui ont précédé l'indépendance. C'était la belle époque pour nous. Tout était organisé. Même la population était heureuse à ce moment-là. Maintenant, elle souffre. La population souffre. Et les vieux regrettent l'époque coloniale. Quand l'indépendance est arrivée, tout le monde applaudissait. Vous voyez que c'était un paradis. Là, ils sont déçus. Et aujourd'hui, quelles sont vos activités? Je suis pensionné, je n'ai aucune activité. Je vis de ma pension, pension de retraite. Et vous êtes resté aux Haïts? Oui, je suis aux Haïts parce que j'aime bien le pays, je suis habitué à vivre ici. Parce que à Bruxelles, les loyers sont excessivement chers. Alors vous devez payer, avec votre pension, vous devez payer le loyer, la nourriture. On en sort difficilement. Tandis qu'ici, je me débrouille. Vous êtes heureux ici aussi? Oui, oui. Je suis heureux parce que je me suis adapté.
Non loin du fleuve, à côté de la cathédrale, la procure de Kisangani est un haut lieu de l'époque coloniale. Elle est aujourd'hui le centre logistique de l'Église catholique dans le Haut-Zaïre. Ici, chaque missionnaire vient se fournir en argent, carburant, médicaments et matériaux divers. Des missionnaires blancs dirigent cette organisation. À leur tête, un Américain, le frère Jerry. Il est assisté d'un Français, l'économe, le père Besson, et d'un Belge, le plus âgé d'entre eux, le père Vanouf. Le père Vanouf est arrivé au Zaïre en 1939. Il y a connu l'âge d'or de la colonisation, celui des missionnaires bâtisseurs. Aujourd'hui octogénaire, il continue ce qu'il a toujours fait pendant plus de 45 ans, construire, organiser, gérer. La situation actuelle, évidemment, elle est grave. Nous allons vers une pauvreté terrible, je dirais presque extrême. J'ai vécu ce temps de la colonisation, je voyais tous les gens beaucoup plus heureux, plus contents que maintenant. Mais surtout eux-mêmes, les vieux qui ont connu ce temps de la colonisation, désirent que cette situation revienne, car en ce temps-là, ils recevaient leur salaire exactement comme il faut, suffisamment. Ils avaient des bicyclettes s'ils voulaient, leurs femmes avaient des machines à coudre, ils vivaient heureusement et ils pouvaient se déplacer librement partout, sans problème. Maintenant, tout a changé. Missionnaire français, le père Besson est le comptable de la procure. Au Zaïre, depuis 2 ans, il pose un regard différent sur l'histoire passée et présente de ce pays. Les conséquences de la colonisation ne sont pas forcément positives. La décolonisation. Oui, moi je parle de la colonisation. Avant d'être décolonisés, ils ont été colonisés. Et je pense, moi, venant de l'extérieur, venant de l'ouest de l'Afrique, je pense que dans ce pays, on a trop fait de cadeaux. On a trop donné, on n'a pas responsabilisé suffisamment les gens dans les postes importants. Le Zaïre est un pays qui meurt d'être trop riche. C'est une formule que j'emploie très souvent. Le Zaïre est un pays qui regorge de richesses. C'est un scandale économique. Le malheur, c'est qu'il est mal géré. Il a été exploité par ses dirigeants, du haut en bas de l'échelle. Et les gens n'ont pas été habitués à travailler. Depuis des années, ils vivent de prébendes, c'est-à-dire de dons, de bakchich. Encore une fois, le service n'existe pas, ou est très mis de côté, très secondaire. C'est l'enrichissement d'abord. C'est au plus haut niveau également ? Au plus haut niveau d'abord. À côté de la procure, dans le centre administratif de la ville, un monument, symbole défraîchi de la dictature, nous rappelle la devise du président : une seule nation, un seul peuple, un seul parti, un seul chef. Antoine de Clercq a 61 ans et 11 enfants de 7 femmes zaïroises. Il est le patron d'une exploitation forestière et fait le commerce du bois. Affirmatif, affirmatif, c'est lui-même à l'appareil. Oui, pourtant c'est un nouveau micro, donc je ne peux rien faire d'autre. Hein. De toute façon, nous venons d'arriver, nous on vous reçoit 5 sur 5, et maintenant nous partons en forêt. Ok, vous dites qu'il est déjà arrivé, ça j'ai compris, mais après je ne comprends pas à vous. Ah
Après, ils partent en forêt, ils partent en forêt, ils partent en forêt, à vous. Ok, ok, ils sont en forêt, c'est ça. Affirmatif. Ok, bon, je laisse la fournie ouverte. Bon, comme ça, laissez la fournie ouverte et moi également, je suis ici en stand-by. Ok. Bon, merci. Ancien mercenaire, en 1964, lors de la rébellion de Stanleyville, Antoine de Clercq réussit à échapper aux insurgés qui veulent le tuer. Depuis, il a tout vécu, tout subi. Nationalisation, pillage, révolte. À chaque fois, il a perdu en quelques jours ce qu'il avait mis des années à construire. Mais alors, pourquoi Antoine de Clercq reste-t-il encore aux Aïres ? Mais je pense que c'est surtout la liberté, finalement. On est un peu comme l'oiseau sur la branche, hein. Moi, je ne sais pas, mais j'ai toujours dit ce que je voulais dire, hein, même que j'allais en prison pour, mais je ne me suis jamais gêné. J'ai vécu d'une façon libre, totalement libre. Je n'ai jamais payé d'impôts de ma vie, hein, je n'ai jamais voté. Sont en train de démonter les locaux. Sacré hypothèque. Ça, c'est nouveau, ça. Ils sont en train de démonter les locaux. Qu'est-ce que c'était ici ? C'était une gare, hein, une gare de réparation et il y avait une grande scierie là. Il y avait une grande scierie qui faisait les traverses, hein, les traverses pour le chemin de fer. Et on avait gardé les locomotives ? Non, toutes les locomotives ont été mises en 60 au rancard. Elles avaient toutes été révisées et on les a mises ici. Et depuis lors, elles n'ont plus bougé. Parce qu'ils préfèrent le mazout. C'est moins difficile que le bois de chauffage. C'est plus facile. Et combien de trains circulent ? Pour le moment, bon, c'est quand il y a un peu de marchandises ou de temps en temps, ils ont un peu de mazout, ils font un train de passagers, mais ça fait à peu près un par mois pour le moment. Et avant, combien c'était mal ? 10 par jour. 10 par jour. 1000 tonnes par jour. Avant l'indépendance. Mais bon, c'est fini, c'est foutu. D'ailleurs, le rail est en mauvais état aussi. Et aller un peu plus vite, dit que Mayuto nous prépare là tout de suite un arbre là-bas. Oui. Ici dans la forêt, Antoine de Clercq est le maître. Il règne sur son domaine et sur ses ouvriers et assume sans complexe son rôle de colon. Ça, vous avez fait beaucoup de métiers ? La plantation, café, caoutchouc. Donc beaucoup d'expérience du Zaïre, depuis combien d'années ? Depuis 1956. Donc on a tout vu. C'est-à-dire ? Tout ce qui s'est passé depuis l'indépendance. Je n'ai pas loupé un événement de Kisangani. Et maintenant, nous avons eu en 91 et 92 des pillages, de bons pillages. Donc c'est toujours quelque chose. Et jamais vous n'avez pensé partir ? Non. Non, pas encore. Pas encore. J'attends la recolonisation. Hein? Je suis persuadé qu'elle viendra. Tôt ou tard. Hein? On y va. Ouais. Mayuto. Hey. Pani araka. Hmm? Voilà, vous mettez en dessous une pelletée de cannibales. Allez, descendez. Il ne faut pas rester avec les cannibales.
quelques kilomètres de Kisangani, un autre groupe d'expatriés, comme Antoine, ils sont forestiers et exportent le bois. Gerda, de nationalité belge, est l'épouse du gérant de la société forestière, M. Knob, un Allemand. Pendant 15 ans, Gerda est restée seule en Europe avec ses enfants, le temps de leur scolarité. Aujourd'hui, elle est décidée à vivre auprès de son mari, où qu'il soit, quoi qu'il arrive. Elisabeth, américaine, n'a que 23 ans. Ancienne coopérante, volontaire du Corps de la Paix, elle a rencontré son mari Christian en Afrique. Elle a choisi de rester avec lui, malgré les risques. Ici, là, on est déjà deux familles, puis le reste, c'est des célibataires. On n'est plus que deux femmes, de toute façon. À part les sœurs, on n'est plus que deux femmes. Et... deux femmes pour tout Kisangani. Pour tout Kisangani. Ça suffit, non, quand c'est deux. Deux. Oui, deux femmes blanches. Oui, oui. Il y en a quand même pour beaucoup qui vivent avec des femmes d'Iowa. Ah, oui, oui. Il y en a beaucoup. Oui, il y a pas mal d'expatriés qui vivent avec des Aïroises. Hein. Oui, oui. C'est aussi des familles. Oui, bien sûr. Vous avez parfois de l'inquiétude? Non, parce que si il faut vivre comme ça, on verra bien au moment venu s'il se passe quelque chose. Ben, c'est le moment d'agir. Oui, ça te fait réfléchir un peu, sinon tu es stupide, c'est tout. Hein. Et c'est une vidéo. C'est comme le jeu avec le fusil que le Russe joue. Tu as un cartouche, baf, c'est vide, tu continues à vivre, un autre cartouche vide, mais quand est-ce que celui-là qui va péter? Et c'est vrai, je ne sais pas si je m'explique bien, mais... La roulette russe. C'est ça, Russian roulette en anglais. Très américain. Et c'est ça notre vie ici. Et non, je ne suis pas tranquille. Quand j'écris à ma mère, je n'explique pas la vérité. Je cache, je mente à mes parents, à ma famille, parce que je ne peux pas justifier ce que je fais ici. Pour vivre avec, Attends, avec mon amour, là. C'est ça, mais... Non, mais c'est quelque chose que je ne peux pas justifier. Avec le côté d'intelligence, le côté rationnel, le côté de raison, je ne peux pas expliquer ce que je fais ici. Moi, je ne sais pas. J'ai pas peur. Le jour où j'aurai peur, je partirai, mais je n'ai pas peur du tout. Bon, c'est sûr, si des boules à 50, là, avec la folie dans la tête, bon, c'est sûr que peut-être j'aurai peur, mais... J'ai pas connu, hein, ça va très bien. Quoi. Mais vous n'avez pas l'expérience du pillage? Non, j'ai pas l'expérience du pillage, c'est très bien. Je me passe aussi. C'est pas pour paniquer ou quoi, mais il peut arriver un moment où c'est dans l'intérêt de l'État de faire quelque chose aux blanches. Et à ce moment-là, pardon, mais vous êtes dans une piège, et moi aussi. Et on est là. C'est tout. Quand je me permets de penser à des choses qui peuvent se passer dans ce pays, ça me rend malade. Pour les gens d'ici et pour nous. Si vous travaillez ici, c'est pour quelle raison? Bon, il y a le côté finance, c'est sûr. Mais en général, bon, c'est bien, la vie ici, c'est différent. Quoi. C'est pas l'Europe, c'est rien à voir. Le climat, peut-être, les gens, j'en sais rien. Mais maintenant, c'est surtout pour l'argent. Hein. Ça, il faut quand même... Si volontaire, je resterai pas, quoi, pour la charité. Si vous aviez des enfants, vous seriez encore ici? Je ne serais pas ici, non. Pas du tout. C'est un risque qu'on peut prendre pour lui-même, mais pas pour l'enfant. Pas pour l'enfant. Le dimanche, Elisabeth et Gerda rejoignent leurs amis missionnaires pour une balade sur le fleuve. Ici, noir et blanc, religieux et laïcs se mêlent de manière amicale. Le père Besson a sorti sa pirogue. Il va rejoindre ses amis sur une île du fleuve Zaïre, au confluent de la rivière Tchopo. Du capitaine.
Charles, bonjour quand même. Mais c'est vrai, hein. C'est vraiment. Tout est sur le fleuve. Moi qui suis marin, c'est ma détente préférée. Et c'est certainement, s'il était exploité, la meilleure façon pour le Zaïre de s'en tirer. C'est rare de voir un blanc voyager en pirogue. Oui, c'est sûr, mais c'est dommage. C'est dommage parce que ça rapproche. Ça rapproche des gens. Ça rapproche des gens qui sont au bord du fleuve. Tout le monde me connaît d'ici à Kisangani. C'est pas autre chose. Et dans la photographie. Voilà. Okay. Un peu de. Non, comme ça. C'est parce que tu viens avec un vampire. Viens. Après Kisangani, je repars pour le sud du Zaïre, pour la province du Chaba, appelée autrefois le Katanga. Après l'indépendance, entre 1960 et 64, cette région a fait la une des journaux. C'était le temps de la sécession et des mercenaires blancs en lutte armée contre les forces des Nations Unies. Le Chaba, c'est l'Afrique minière et industrielle. Ici, les Européens travaillent presque tous pour la Gécamines, ancienne union minière du Haut-Katanga, nationalisée en 1967. Cette société exploite les gisements de cuivre, de cobalt, de zinc et d'uranium. C'est cette richesse du sous-sol qui a provoqué, voici 30 ans, cette sécession de la province du Katanga et les deux guerres du Chaba en 1977 et 1978, avec un massacre collectif d'Européens à Kolwezi. Les cadres européens que je rencontre à la Gécamines sont très prudents, ils refusent d'être interviewés. Cependant, loin de la caméra, ils me parlent du délabrement industriel, du manque de pièces de rechange, des bas salaires du personnel. Les câbles d'une ligne à haute tension ont été totalement pillés par les militaires. La misère est telle que l'on vole même l'huile de moteur pour la réutiliser comme huile alimentaire dans les familles africaines. Ces ingénieurs et contremaîtres blancs ne cachent pas leur impuissance devant un désastre industriel qui a réduit en quelques années la production de 90% de sa capacité. Le soir, les Blancs se retrouvent entre eux dans leur club. La plupart sont sérieusement armés. Ici, c'est le règne de la nostalgie. On se souvient du temps ancien où l'on menait la belle vie, du cercle hippique, du golf, des parties de chasse, du théâtre, des films qu'on allait voir. Comme souvent, une panne de courant interrompt la soirée. Les conversations reprennent. Et l'on me précise qu'aujourd'hui, il n'y a plus ni orchestre symphonique, ni cinéma dans tout le Chaba.
Cette route est la plus importante du Zaïre. Elle relie entre elles les villes minières de Lubumbashi, de Likasi et de Kolwezi. Cet axe industriel fait de la province du Chaba le poumon économique du pays. C'était le pont. Ouais. Il n'y a plus de pont, il n'y a plus de pont en enfer. On prend ses bacs. Le pont détruit depuis de longs mois oblige les camions de la Gécamine à prendre le bac. Nous sommes à une vingtaine de kilomètres de Kolwezi. Peu avant Kolwezi, je rencontre Roger Landressi. Il a fait plusieurs métiers avant d'acquérir, il y a 30 ans, une ferme de 17 hectares. Je me suis installé définitivement ici, j'ai construit. J'ai fait des petits pavillons pour les gens, j'ai fait l'hôtel ici pendant 30 ans, là, l'hôtel 5 étoiles. Il y a le logement, il y a les appartements, il y a la salle vidéo, il y a la télévision. Vous avez été payé? Bah, j'étais payé par l'armée, ouais, hein, aux événements de... Kolwezi, donc, comprenez. Et puis par après, on a été pillé ici, comprenez. Alors, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Comme j'avais ici tous les véhicules charrois, j'ai commis un office des routes et tout, j'avais 110 véhicules qui étaient venus se réfugier ici parce que le bac était sombré, le pont était coulé. Donc, les gens ne savaient plus passer, on a tout mis les véhicules ici et le lendemain, c'était l'assaut. Alors, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Ben, on employait les grands moyens. Après sommation, ben, il a fallu appliquer le système D. Ouais. Mais c'était la population, mais posée par des... Comment? Des éléments, comprenez, qui sont toujours dans les environs, qui poussent la population, voilà, ceci, de leur tient-tête, hein, comprenez. N'est-il, si vous... Ici, il y a un principe que si vous ne... Vous vous laissez aller, vous montrez que vous avez peur, comprenez? Eh ben, à ce moment-là, il profite de la situation, comprenez? Eh? Et alors, s'il faut montrer, tout en ayant une petite peur, ben, il faut quand même... Hein? Parce que de toute façon, si vous attrape, on serait quand même liquidé, comprenez? Alors, vous avez des enfants? Non, pas d'enfants. J'ai des enfants de la famille de ma femme, là, qui sont très nombreux. Alors, on les accouche ici, on les élève ici, en espérant qu'ils poursuivront ce que j'ai construit, donc ce qui permettra d'assurer leur subsistance. Ça, c'était ici la cuisine, ici. La cuisine du restaurant. Restaurant. Alors, ici, on mettait tous les plats, on préparait là, les friteuses. Là-bas, les cuissons par les macalas. Combien est-ce que vous aviez de clients? Des clients? Bon, il fallait compter en moyenne 200-250 par week-end. Hein. C'était qui? Beaucoup d'Européens, de réceptions, d'autorités et tout. Et aujourd'hui? Oh, je ne fais plus, j'ai fermé. Hein. Il n'y a plus personne qui vient. Comprenez? Et puis, qui vient encore? Quelle marchandise? Allez les chercher au prix que ça coûte. Déplacement de carburant, il n'y a personne. Et puis, il y a le pont qui est passé. Et puis, il y a le pont qui est passé. Le bac qui, à 6 heures, ne fonctionne plus. Alors, si les gens doivent venir manger à 8 heures du soir le samedi, passer un bon week-end, ils ne savent plus rentrer. Alors, résultat, on est vidons maintenant, bon, on vit avec quelques clients qui viennent, comprenez. On est un peu tranquille. Mais malgré tout, c'est monotone. Hein. On a tellement l'habitude de travailler que... Alors, qu'est-ce qu'on fait? On boit une pinte en plus. Hein. Et on ne boit pas. On ne le boit plus avec le client. Alors, je fais le client. Je paye un verre au client. Et puis, le client me paye un verre, donc je bois deux bouteilles à la fois. Arrivé à Kolwezi, je visite les carrières de cuivre qui font la richesse du Zaïre après avoir fait la fortune de ses colonisateurs. Au cœur de cet immense complexe, je découvre cette Afrique industrielle agonisante, avec les bennes à l'arrêt faute de maintenance et de pièces de rechange,
avec un personnel sous-payé et souvent absent, avec le vol systématique des outils et des matériaux, avec surtout les carrières inondées faute de pompage et d'entretien. De Kolwezi, je repars pour Foungroumé, en plein cœur d'une région agricole. Franz Coutenier est arrivé au Zaïre en 1946. Il est aujourd'hui l'un des plus importants propriétaires terriens du Chaba. Dans le sous-sol de sa concession, de fabuleux gisements de minerais sont encore inexploités. Mais Franz gère aussi des carrières, fabrique des traverses de chemin de fer et dirige une ferme semencière. Comme beaucoup d'autres, il a connu les pillages. Donc, je suis resté pendant les événements dans un petit hôtel qui s'appelle l'Estoril. Arrivé ici, le pillage battait son plein. Et donc j'ai pu arrêter le pillage, mais ça a quand même duré 14 jours. On vous a menacé? Non, menacé non, jamais. Nous n'avons jamais été menacés. Au contraire, je pense même que j'étais au milieu des pillards et les gens étaient même gênés, on se parlait et ils voulaient même abandonner leur butin et dire, écoute, bon, on sait pas bien ce qu'on fait, mais... Mais vous avez protégé votre maison. Bon, nous avons dû, j'ai dû quand même me battre pendant 3 jours ici contre une bande qui était très excitée, mais dont on a tout de suite localisé les responsables qui étaient en fait, malheureusement, ceux qui devaient nous protéger, c'est-à-dire l'armée. Combien est-ce qu'il y avait de familles dans les années 70, de familles expatriées ici? Ici à Foungroumé, on peut dire environ 120 familles que moi je connais. Donc, c'était toutes des familles d'origine britannique. Et nous autres, quelques familles belges, et alors 400 familles zaïroises. Et aujourd'hui, il reste combien? Donc, aujourd'hui, il reste plus que nous, donc un Européen. Est-ce que vous avez parfois eu peur? On a toujours peur, et la peur est une bonne chose, parce qu'elle contrôle la chose. Il faut, mais une peur contrôlée, une peur étudiée. Et nous, on a toujours, nous sommes toujours préparés au pire, et sans toutefois lancer des paniques inutiles et lancer des bobards, parce que souvent les canards volent bas ici. Mais si vous êtes resté, c'est pour des raisons économiques? Non, ça on ne peut pas dire, parce que si c'était pour des raisons économiques, j'aurais pu prendre mon magot et partir. Si on a donné le chiffre de pillage aujourd'hui, vous devez quand même remarquer que c'est beaucoup. Et donc, non, notre objectif, c'est de participer à l'économie de ce pays, au développement de ce pays, et participer, avoir l'impression d'avoir, de faire quelque chose de positif et de constructif. Ici, ce qu'il faut, c'est un encadrement, mais un encadrement des gens sérieux, des véritables conducteurs d'hommes, des gens qui savent éduquer, qui savent instruire, qui savent montrer comment ce qu'on prévoit, etc. Et on obtient des succès formidables. Walter, le seul des enfants de Franz à être resté, est né au Zaïre. Colon de la deuxième génération, formé en Europe, africain de cœur, il a pour projet de poursuivre les activités familiales. Ok, Yambo. Avari. Y'a des coquilles. Niniane n'a pas fait la manœuvre. Pardon? Niniane n'a pas fait la manœuvre. Non, Oukou, ni remorque qu'il fait ma tête. Il t'a fait que j'aime. Ah, non. Oukou, quoi, tout bien. Tout bien. Avec ça, tu vas. Vous avez le poème, Aïe? Quelle est la grandeur de la propriété? Il y a normalement ici. On a une concession de 33 000 hectares. 33 000 hectares. Tu vois ici? Oui, on va utiliser. On vous a beaucoup pillé? On a beaucoup pillé, oui. On n'a pas seulement pillé, on a surtout détruit. Ils ont pris ce qu'ils pouvaient prendre et ils ont systématiquement cassé tout ce qui était cassable. Ils ont pillé pour combien à peu près? Ça se chiffre à peu près à 31 millions de dollars, 1 milliard de francs belges, ça fait 31 millions de dollars.
Avec Walter Coutenier, je visite une ville récente, construite dans les années 70, en vue de l'exploitation des richesses minières. Il y avait une ville ici. Une ville, oui. Qui devait comprendre 400 familles expatriées et combien des Aïrois ? 4000 hein, ou 3000 travailleurs aïrois. Il y avait des expatriés ? Il y en avait ici beaucoup. Moi, en 72, quand j'étais en France, je venais jouer ici avec les petits Américains. Et ils avaient une infrastructure ? Oh, c'était colossal. Qu'est-ce qu'il y avait comme infrastructure ? Il y avait tous les services sociaux existaient, l'école, le service, bon, que ce soit le sport, que ce soit l'alimentation, tout. Et tout était approvisionné. Médical ici, il y avait un hôpital avec son bloc opératoire, mais ultra moderne. Donc il y a des trappes autour de la piscine. Moi, j'ai marqué combien de temps. Oui, il y a des... Oui. En marche arrière, quand je suis arrêté, j'arrive à te mener, je t'arrête. Attention. Attention, je vais te casser la figure. Tu penses que ça va redémarrer ici ? On espère. On espère. On est là pour ça. On est là pour ça. Et peut-être dans un an, peut-être dans deux ans. Vous êtes toujours resté ? Ah oui, toujours. Vous n'avez pas eu peur ? On a toujours peur. Celui qui vient me dire qu'il n'a pas peur, alors celui-là, c'est un gros menteur. Parce que. Ah, c'est faux. Mais on est resté. Et ma famille est restée depuis. Bon, on est ici depuis 47. Et ma famille a passé tous les événements en 60. Moi, depuis 63, parce que je suis né en 63. 67 à Likassi, etc. Ouais. Donc toi, tu restes avec une famille, des enfants. Oui, elle est là. Ouais. Mais je sais pas si c'est une très bonne idée. On est d'ailleurs en train de réfléchir sérieusement. Parce que... Alors, t'avais les crêtes sur leur terrasse, là, qui regardaient le golfe de loin, là. Après les pillages, ils ont... Enfin, pendant les pillages 91, ils avaient volé les tôles. Mais là, vraiment, maintenant, on constate qu'ils viennent de voler les charpents. Bon, il reste encore les murs. Il ne faut pas se décharger. On va encore pouvoir reconstruire dessus. Mais... Aventuriers, prédateurs, bâtisseurs, ils sont encore quelques milliers au Zaïre, les derniers colons de ce qui fut jadis le Congo belge. Partout, je me suis posé la même question. Pourquoi ces Blancs restent-ils accrochés à cette terre d'Afrique ? Quels espoirs et quels intérêts y défendent-ils encore ? Un an après avoir tourné en solitaire ces images spontanées, ce carnet de route, je retourne au Zaïre pour en savoir plus. Je veux terminer ce document et surtout filmer le point de vue des Zaïrois sur ces derniers colons. À peine arrivé, je suis brutalement arrêté par la sûreté zaïroise. Mis en prison et au secret, je suis interrogé pendant plus de 30 heures. Ensuite, c'est l'expulsion pure et simple, j'ai été dépouillé de mes notes et de mon matériel. Ce film, je ne pourrais pas le terminer. Le point de vue africain, je ne pourrais pas l'exprimer. En m'expulsant, les autorités de ce pays m'en ont empêché. Reste ce témoignage furtif, imparfait.